Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Udyr Jungle. On est avec un Jax, un Zed, un Lucian, un Brand contre Garen, Graves, Yone, Ashe et Zyra. Et on a un niveau de jeu actuellement Platine 3. Ok, c'est parti. Alors, je me suis fait un set d'objets normalement. Ça doit être ça. Voilà. Hop. Alors déjà, ça commence mal. Parce que mes emplacements d'items n'ont pas été enregistrés. J'avais demandé à ce que ça ce soit là et ça ce soit là. Bon, très bien. On va dire que tout va bien. Alors je vois qu'il y a un Garen en face. J'ai l'impression que la méta là, elle va être très très favorisante pour les tanks. Ça me fait un peu stresser. Je pense que le Garen va être un souci. La dernière partie que j'ai faite où il y avait un Garen en face, il faisait un peu ce qu'il voulait. On verra ce que ça donne. Graves, c'est pas un match-up facile. Rush phasique. Alors, je vais essayer de jouer avec l'Estropieur. Et je me suis fait un stuff qui va être un peu tanky, un peu move speed. On verra ce que ça vaut. Alors, je sais pas s'ils ont réglé le problème du curseur. Hier, il y avait un petit souci de curseur. Il se mettait bleu et il restait bleu. C'était très désagréable. On va voir ce que ça vaut maintenant. Aussi, tous les rythmes de clear de la jungle hein, sont modifiés par les nouveaux items jungle là. Bon, ça va, ça a pas l'air dramatique. Disons qu'il faut juste que je reprenne un peu mes habitudes. Merde, j'ai mis ce clic. J'ai gâché un effet de tigre, ça c'est pas ouf. J'ai un peu moins de marge qu'avant sur le timing du clear parce que là ça me fait arriver un peu tard au carap. Je pense que ça le finit. Yes. Bon, ça va, je suis quand même pas trop mal. Je pense qu'en fait, c'est presque plus favorisant pour moi parce que Udyr, ça a un très très bon clear. C'est très très fort pour vider la jungle. Par contre, j'ai presque ouais, plus d'intérêt à y aller en multi-cible maintenant qu'il y a le système de brûlure là. Avant, je prenais la machette. Ouais, bon, le carap, il faut que j'y sois à 3-15. J'ai encore le raid à faire. On va voir ce que ça vaut. Ok, on va essayer de ne pas perdre le passif. Je vais check aussi si j'ai pas un Graves dans le bush. Ok, c'est bon. Okay. Je connais, hein, je connais les Graves qui viennent chercher au red buff. C'est pas très agréable. Ok, GG. Ok, j'arrive top. Ah putain, je vais être en retard. Graves full PV, est-ce qu'il peut venir? Ouais, il est niveau 4. Oh putain, je l'ai vraiment pas eu là. J'ai le seum à un point. J'allais mâcher mon flash et il a flash en même temps, bon. Normalement, je m'en sors quand même plutôt gagnant. Je pense que j'ai le double carap si je gère bien. On va essayer de pas se le faire bolos. Ok, il est encore top. Et la limite, c'est pas trop mal en vrai. Il veut vraiment me test lui ou comment c'est? J'ai le double carap. Attention, Jax, hein, je pense qu'il a vu, mais. Bon. Ok, GG. Je vais essayer d'y aller, mais j'ai plus de flash, c'est un peu chiant. Oui. Et oui. Et oui. On va essayer tranquillement. Bon bah je pense que j'aime le brandy fera le taf. J'ai pas besoin de m'occuper de la lane. Bon, 4-2 pour nous, c'est pas trop mal en vrai. Il faut bien que je pense à utiliser mes smites. Hein. J'ai pas le réflexe, avant je les gardais vraiment pour les champions.
Mais il faut que j'utilise 5 smites ou 6 smites. Ça doit être 5, je pense. Pour que l'item se désintègre. Ça, ça va être vital. Je sais pas trop du coup à combien je dois faire mon premier bac. En vrai, 1500, c'est bien, je pense. Ça peut me faire prendre un Tiamat. Je sais pas si c'est encore intéressant que je fasse mon Tiamat direct. Ça aussi, il faudrait que je te recraft un peu tout ça. J'ai envie de commencer Tiamat, mais bon, il faut rush l'estropure quand même. Je vais, dans le doute, je vais tester de commencer Tiamat. Hein. On verra si par la suite, je me rends compte que c'est un choix un peu débile. Pas que j'oublie les bottes, hein, ma dernière game. J'avais oublié de prendre des bottes parce que tous les visuels étaient modifiés. Et j'ai zappé les bottes. Pas de chance. Donc maintenant, ça va être rush et estropure. Hein. Ok, sur le Graves qui gank mid, est-ce que ça passe? Ah, j'ai peur que ça passe. Ouf, cool. Il a eu le temps de back le Graves, ouais. Il est en châtiment rouge. Je vais essayer peut-être de trap ici. Allô, la bot lane. Je sais pas. Bon, ils étaient en train de chase, mais là, s'ils se retournaient, en vrai, on faisait des dingueries. Hein. Bon, personne ne joue. Unlucky. Bon, c'était pas forcément le meilleur moment pour engage, hein, mais... Attention, SS mid. Mais bon, c'est chiant parce qu'il y a le Drake, en fait. Un Infernal, en plus. Si on pouvait ne pas le rater, ça m'arrangerait bien. Je vais faire ça. Je vais aller chercher mon Carap top. Mon bleu et le Drake, mais je sais pas pourquoi il ward pas. J'aurais peut-être pu poser ma ping dessus, c'est discutable. Mais là, s'ils le font, le Yone et le Graves, j'ai pas d'infos dessus. Ok, non, c'est bon. Putain, j'étais en train de regarder ailleurs. Ah, ça m'énerve ça. Non. Ah, c'est pas cool, sérieux. Vraiment, je le touche pas en plus. Oh putain, ça m'extermine. J'avais le carab free 100%, juste je suis un chien, je regardais le Drake parce que personne va le ward. Bon, c'est ma faute, hein, je veux pas remettre la faute sur les autres, mais c'est hyper tiltant en fait. Ah, c'est abominable. Là, normalement, j'avais carab et kill Graves. 100% free. Mais je regardais pas, je l'ai pas smite. Voilà, bah, bien fait pour moi. Je pensais vraiment qu'il serait dessus en fait. Bon, je vais le rush en mode 0 de QI. Quand je tilt, je fais ça. Je rush les Drake en fermant les yeux. C'est une très bonne façon de hint les games, mais ça, quand ça passe, ça fait plaisir, donc let's go. Ah, ça me saoule, sérieux. C'est abominable. Là, j'avais Carab free, Kill Graves free, et du coup Drake free. C'était full free. Et évidemment, non, le Yone. Bon, en vrai, je vais quand même aller aider la bot. Ah, je pense qu'ils vont y arriver quand même. Bon. Cette fois-ci, tout sur Drake, s'il vous plaît. Je suis désolé, j'ai un peu tilt, mais j'ai tellement misplay que c'est un peu frustrant. Smite à 480, je vais essayer de pas faire de la merde. Une chance sur deux, je me fail. Hein. Ok, c'était pas mal. J'aimerais bien prendre l'info sur le... Ok, c'est parfait, ça. Oh oui. Smite à 510. Je peux vous dire qu'il avait mérité celle-là. Hein. Allez, je propose qu'on s'expose pas trop. On va plutôt aller sur Yone. Il va revenir. Eh oui. Il s'en sort le pote là ou pas? Non, lui par contre. Voilà, bon. Si vous voulez, j'avais besoin de ça pour me calmer, donc c'est fine. On me demande dans le chat c'est quoi mon passif. Mon passif, c'est que... c'est l'espèce de machin, le compteur 3, qui est en train de changer tout le temps. Que, en gros, quand j'ai utilisé plusieurs postures dans un intervalle de temps restreint, je gagne en attack speed et en move speed. Donc il faut toujours que, voilà, le machin 3 là, il faut toujours que, avant que ça tombe à 0, que ça se reset, je relance une posture et je le garde toujours à 3. Voilà, c'était la petite question du chat. Bon, j'ai une minute de délai, mais j'essaie quand même de répondre un petit peu. Après, évidemment, sur League of Legends, c'est pas le jeu le plus adapté
à de l'interaction avec un chat, hein. En forge de magie sur Dofus, c'est plus simple, évidemment. Bon, bah du coup c'est fine, hein. J'ai pris, j'allais dire les deux carapes, mais non, j'ai fail celui du top. Mais on a quand même le Drake infernal, ça fait plaisir de fou. Le Graves, je suis en train de lui mettre une petite distance au farm. Je vais voir si je peux éventuellement aller chercher le Yone. Est-ce qu'il sera à temps pour def sa tour, lui? En vrai, je vais essayer d'y aller en me dépêchant. J'ai presque moyen de kill, on va pas abuser, mais... Il peut quand même se passer des trucs. Bon, je l'ai un peu prank, c'est pas trop mal. Je lui ai mis des petits dégâts. J'aurais pu chase, mais je pense que je l'aurais jamais kill et j'aurais perdu juste du farm. Là, j'ai bien récupéré grosse bière, c'était pas trop mal. Il est bien le bro Jax là. Ah merde, ils ont pris le Herald, ça par contre c'est pas ouf. C'était un peu obvious, mais je pouvais pas me permettre de laisser la lane. Non, en fait, j'arrive. Hein. J'avance pas. Pas de chance, j'avance pas. Je peux pourquoi il me ping un milliard de fois. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai pas spécialement misplay, juste... J'ai pas pu poser le stun, il a ulti, il s'est replacé. On va prendre le Herald là, ça va piquer. Allez, d'accord. D'accord, je m'attendais pas à me faire des pop instant comme ça. Bah c'était de la merde du coup. Hein. Crap, fait chier. Pas du tout bien de crever comme ça. J'aurais pu essayer de faire un kill ou je sais pas quoi, mais... J'ai mal géré. Faut que je m'adapte aux nouveaux items et compagnie. C'était vraiment de la merde. Non, mieux fait de me barrer. Bon, il y a un carap top, je risque de pas être en position. Il y a du free kill bot, j'y suis pas non plus. Technique. Hein. La prise de l'Herald en face, elle fait très très mal. Puis Graves, bon bah c'est mon counter, hein. c'est un anti AD et un anti mêlée, autant dire qu'avec Udyr on est vite triste. Je vais essayer de check le carap, mais tant que j'ai pas un milliard de move speed, je peux juste pas le toucher en fait. Donc le Jax Kimping il est mignon, mais je suis pas magicien. Je suis déjà en match-up négatif et j'arrive à prendre un Drake, c'est déjà pas mal. Je vais essayer de l'aider parce que là il se fait encore bolos évidemment. Je sais pas pourquoi, il pouvait pas décaler vers moi, il est juste full tilt, il veut plus jouer en fait, c'est ça? D'accord, je comprends. Bon du coup, ça sert à rien de laisser du farm à un mec qui veut pas gagner, hein. Ça c'est vraiment la base. Quand il y a quelqu'un dans votre team qui ne veut plus jouer, ne lui laissez pas de ressources et essayez de partir en 4v5. Là il avait juste à venir vers moi, on le tuait en fait, je sais pas pourquoi il est resté comme un débile là, en clic droit dessus, c'est vraiment pas de chance. Bon, Drake 25 secondes, du coup je suis pas du tout présent sur la bot lane alors qu'on a fait que de la merde au top. J'avais fait un très bon start mais là ça c'est en train de s'essouffler. C'est pas terrible. Ok, il y a peut-être un truc à faire au mid. Le Z est pas mauvais. GG mon bro. Je vais faire un full clear parce que je suis obligé de prendre du farm. Sinon j'ai aucune chance de faire quoi que ce soit. Il le kill ou je rêve? Oh le boss, c'est Free Drake. C'est excellent ça. Je pourrais presque aller chercher le raid en face. C'est wardé. Ah non, on va rush le Drake, hein. Quand même plus intéressant je pense. Smite à 600, hein. Si seulement je pouvais un truc pour la rush. Ouais, c'est bon. Ouais, je sais pas pourquoi, mais mes items, j'ai bien fait le set d'items, ça typiquement ça devait être en première place et ça y est pas. Bon, je crois pas qu'il y a vraiment de moments où ça aurait fait une grosse diff, mais c'est un peu bizarre, c'est peut-être bugué. Faudra que je check. Ou alors j'ai mal enregistré ou je sais pas quoi, mais je m'étais assuré que ça vient en première place, les activables. Bon, on a le full clear, je pense que Graves il doit être à son raid à peu près. Non, vraiment. Bon. Faut juste que le Jax n'arrête pas de jouer. Ok, j'ai tout pile mon item, ça c'est insane. Je vais essayer de venir l'aider. Bon, c'était sûr que le Graves était à son raid.
J'ai peur. Oh, ça passe. Bah, putain, c'était vraiment close. Hein. Moi, par contre, je vais lâcher mon meilleur dashin. On va push ça. Il est obligé de back. Je vais peut-être pouvoir prendre un peu de dégâts sur la tour. Graves à son bleu. Ouais, non, c'est de la merde. Il faut que j'aille prendre le carap into bot lane. À mon avis, il y a des trucs à faire. Maintenant que j'ai mon item, ça me fait un dash. J'ai beaucoup plus de mobilité. Je peux faire des dingueries. C'est juste que bah, mécaniquement, je suis pas très au point dessus parce que je m'en suis jamais trop servi. Mais bon, le top, il se fait bolos. De toute façon, j'avais dit, hein, dans la méta là, j'ai l'impression que les tanks, c'est vraiment ça se balade. Et le Garen, j'ai l'impression qu'on va jamais réussir à le stopper. C'est un peu perturbant, mais bon. Ouais, là il va se faire bolos en boucle. Faut que j'aille des fleurs. J'ai pas le temps de back. Ça va être très technique les amis. Ah, il va jamais le tuer en fait. Ah si, bah GG. C'est le pire smite de l'univers, mais c'est pas grave. Ok, bon, ça c'est good. Le Graves est toujours à l'opposé de la map par rapport à moi, c'est un peu chiant. J'aimerais bien essayer d'aller le kill. Je vais essayer de voir si je peux récup quelque chose là sur le Yone. Hop là, bon, c'était. Mécaniquement, j'ai un peu du mal à me calibrer avec le. Hop, c'est bon, il a eu le gros. J'ai un peu de mal à me calibrer avec l'item là, mais je sens qu'il y a un gros potentiel, hein, vraiment, en vrai go. Hein. Y a peut-être le Graves qui peut arriver, mais sinon on est à peu près fine, je pense. Allez, on se barre. Ah non, mais le. Il y avait Graves et Garen. Déjà le Garen c'était compliqué si vous voulez, alors avec forcément avec le Graves avec, c'est pas ouf. Malgré tout, c'était pas trop mal, on a pris des trucs. Le Brand, il a l'air de bien jouer. C'est bien, ça nous fait des bons dégâts magiques. On avait bien besoin de ça dans la team. Graves par là, attention top qui peut se prendre Garen Graves. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. Dégâts AD. Ok, donc on prend coq en acier, on va prendre ça. Et ça. Oh, j'aurais presque pu vendre ma potion en vrai. Oui, j'aurais pu. Alors, mais qu'est-ce qui me fait des délais de récup? Ça va m'en faire. Hein. Ok. Bon. Le Yone, il a pas l'air méga fort. Peut-être moyen d'aller le chercher. Ouais, c'est un peu solo en bot lane là. Je pense que je vais y aller. Voir si j'ai pas moyen de faire un petit catch. Je vais l'intercepter. Eh oui. Je les call. Bon. C'était pas trop mal ça en vrai. Personne par là. Et la petite ward, on enlève la vision. Drake 25 secondes, j'essaie de setup le Drake là, c'est plutôt dans cette optique que je suis. Faut vraiment pas qu'il crève maintenant. Après si le Z il arrive à faire un catch, il faut être prêt à le follow. Faut répéter la plante, yes. Tous au Drake. Hein. Là à mon avis, voilà leur limite, petit catch. Ouais, allez, bah, GG à tous. Allez, tous ensemble sur la plante s'il vous plaît. Yes. C'était cool. Alors ils vont essayer de la steal. Hein. Faut que je lâche mon meilleur smite, 680. S'il vous plaît. Allez, c'est bien sa zone. Ok, j'ai été très lent à réagir sur le smite. J'ai été un peu perturbé par le kill, mais écoutez, c'est pas mal. Bon, on a un problème de Garen top. Hein. Ça me paraît un peu obvious. On a un Jax. Ok, non, il est pas AFK, c'est bon. J'ai aucune idée de comment on tue Garen, hein, vraiment. Ça me paraît intuable. J'ai essayé la dernière game que j'ai eue contre un Garen. C'était absolument ingérable. Niveau des objectifs, je suis pas mal. J'ai pris tous les Drake, ça c'est vraiment très good. Je vais aller recheck le carap top. Oh lui, si j'ai moyen de le choper en vrai. Ça peut faire des dingueries.
Ah putain, j'ai pris le route. Unlucky. Go. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de dégâts qui sortent sur le Brand. Bon, c'est un support, mais il avait l'air de mettre des gros dégâts magiques. Je pensais vraiment passer le kill sur Yone. Je voulais faire dashing into flash et je pensais vraiment le tomber. Mais là, c'est un fight abominable. Hein. Vraiment, c'est horrible. C'est en partie ma faute. Hein. Je me suis beaucoup trop exposé. Je pensais qu'on avait moyen de faire un kill rapide avec le Brand, mais le Garen, juste, ça crève pas, hein, malheureusement. Ça, c'est assez chiant. Ok, GG. Le Z est vraiment bon. Franchement, ça fait plaisir. Il y a un raid à récup, non? Ah non, je pense pas, ils l'ont ici. Ah, il me semblait. Oh oui. Très très bien ça. Ok, Carabot. Je vais commencer à essayer de jouer un peu en split. Il récup tout lui. Ok, je lui laisse le Carab avec plaisir. C'est un peu bizarre parce que il y a tout pile 5 secondes de délai de récup. Donc si je suis vraiment en train de spam E à la frame, on me demande mon rank, je suis platine. Platine 3. Ok, je vais prendre mon raid, on va aller check le Yone. Je mets une bonne distance de farm au Graves. Go go go, hein, faut pas le laisser back. Pas de vision ici. Go hein. Voilà. GG. On va aller récupérer toute la jungle. Le Z qui snowball avec son milliard de kills. Ça c'est excellent. Ça me fait toute la free jungle. Ok, on va s'en sortir les amis. Ça va être très bien. Faut que je regarde comment se comporte le dash avec les auto-attaques pour le stun. Il va falloir que je cale ça. Je me ferai peut-être des petites sessions sur Pooch ou je sais pas comment ça s'appelle sur LoL, mais les Pooch quoi, vous avez compris. En partie d'entraînement. On aurait presque pu Nash, bon c'est peut-être encore un peu tôt. En vrai, go, hein, on enfonce. Hein. Ils sont tous bots. Alors lui. Hop là, je sais que Lucian elle les dégage, je lui ai fait confiance, j'ai bien fait. Est-ce que j'ai vraiment la peine? J'ai besoin de flash. Eh non, j'ai hésité à flash, hein. Mais je me suis dit, j'ai peut-être qu'en le sécurant, ça me servira par exemple maintenant. Allez, je te laisse le kill, mon bro. Là, GG. Ok, il y a des petits plays en team là, c'est pas mal. J'arrive à très très bien poser mes dégâts. Voilà, par contre, quand on a Garen, on se barre évidemment. Allez, le petit stun. Ah, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah oui, d'accord. J'avais call, hein. Le Garen, ça va être un problème. Je le sais depuis le début. J'ai bien vu qu'il y avait un souci. Dès le lobby de la guerre, oh putain, par contre, on allait vraiment laisser l'inhib avec ça. Ça, c'est pas cool. non, le Garen, j'étais sûr à 100% que ça allait être un énorme problème. Hein. Dès le début, je savais que ça allait être la merde. J'ai bien vu que là, sur ce patch, les tanks dégâts, c'est compliqué. Il se régale le coco, hein, mais bon. Si vous voulez, ça va le faire. C'est dommage, on était sur une très belle phase de jeu là, mais. Compliqué. Overall on est bien, hein. il faut juste qu'on prenne le soul en fait, parce que là c'est le dernier. Drake, le Z qui fait, il a voulu faire un catch, il s'est fait bolos, la team n'est pas en position pour le Drake, c'est absolument dramatique. Alors là par contre, bah c'est free Drake pour eux. Peut-être, ouais je suis avec Brandt mais on est deux quoi. On va juste se faire ouvrir en fait. Vraiment je prends le route là. C'est ma vie ça. Ah, mais il va juste m'instant kill en fait. Ok, on esquive. GG au Lucian pour les dégâts bien placés. Mais bon, le Drake malheureusement est free hein, pour eux. Ça leur a rien coûté du tout. On peut presque essayer d'y aller s'il y a quelqu'un qui fait un catch. Il y a beaucoup de choses qui ont été claquées en face. Mais ouais, non, c'est compliqué. Oui, il est où? Il était là, d'accord, il a essayé de prendre le bleu, ça ne marche pas. Est-ce que je le récupère? Ouais, je pense. Je le smite dans le doute parce que je sais qu'il est dans le coin. J'ai encore mon estropieur. En vrai, je vais aller chercher à son raid. Oh, c'est bien ça, un Z qui joue, ça fait plaisir.
Effectivement, c'est Nash. Hein. J'avais bien envie d'aller chercher le raid en face, mais là, c'est Nash free pour nous. On a des bons dégâts sur Lucian. J'ai l'impression que les ADC ont plus de dégâts qu'avant de façon globale. Plus d'outils, plus de dégâts. C'est un ressenti général que j'ai. Il est mort comment le Brand? Il était solo bot là. Ok. Je ne sais pas trop d'où ça sort, mais admettons. Smite à 850. Hop, on va essayer de faire un catch au loup. On est bien tous ensemble, ah oui, go. Je le toucherai jamais, c'est ça qui va se passer. Et ici. Hop, déjà ça tombe. Allez hop, le petit coup d'estropieur. Ah mais il y a une hache encore, what the fuck, ça sort d'où ça? Mais d'accord, ils sont encore 40 000. Alors là, je vais avoir du mal à te sauver mon pote. Bon. Phase de jeu qui était pas dégueu, j'ai presque envie de tester le Graves, je sais que je vais le croiser au carap. Après il y a la hache qui est au-dessus, solo. Est-ce que je peux le test? C'est maxi greedy mais... Ah, moi je suis light hein. J'arrive. Je suis un peu light mais... Allez hop, petit coup d'estropieur. GG mon bro. Je me fais peu à peu aux mécaniques de l'item. C'est franchement pas dégueu. Bon, je suis un peu deck qu'il ait pris le carap, mais je pense que si j'étais allé en frontal, soit il m'aurait bolos, soit il se serait barré, on l'aurait pas eu. Là, bon, il y a eu du bait, c'était pas trop mal. Il y a un free raid, hein, je sais pas si le Jax est au courant. Normalement, c'est free pour lui, le Yone ne l'a pas pris. On va check le bleu en face, essayer de rien laisser. Je suis en train de complètement le dominer, hein. Je lui mets deux levels. J'ai 70 de forme de plus que lui, ça régale. Je suis vu, je vais laisser évidemment le bleu au Z qui en fera un très bon usage. Je vais juste être là pour le backup. Oh, Jax qui fait des trucs en plus, incroyable. Là je pourrais split, mais je choisis plutôt de vider la jungle de l'autre mec. Comme ça, il a rien. Et je continue à le dominer de plus en plus au farm et à l'XP. Je vais laisser ça à ma team. J'ai encore un Ashor, cela dit, j'aurais pu peut-être m'avancer un peu plus. Tiens, je peux enlever la vision un peu. Si j'ai quelqu'un avec moi, on peut peut-être tomber le Garen. Bon, ça me paraît compliqué, mais... Ah, il faut que je les backup, là, ils vont se faire bouffer. Oh, bah oui. Mais, what the fuck, les dégâts qui sortent, là? Hop là. Vas-y, viens, toi. Ouais. Bon, il faut que je reset, j'ai trop de gold. En plus, j'ai le bug du Nashor. Je mets le buff Nashor, je go split top. On va prendre ça. Bah, je vais go plaque du mort. Hein. Contre cette compo, on va vendre la potion, prendre de l'armure. Vraiment, c'est full dégâts physiques en face. Hein. Cela dit, non, en vrai, je vais setup le Drake. Hein. En espérant que cette fois-ci, on soit en position, parce que je l'écho la dernière fois, il y avait littéralement personne sur place quand il a pop. Bon, le Brand qui die solo, unlucky. Ok, le carab très important, il va donner la vision pour le Drake. Ok, c'était un misclick l'estropieur, je suis encore habitué à voir le Tiamat. Ok, ça c'est très good. Bon, on se monte tous les deux, c'est pas ouf, mais... En vrai, ouais, on va prendre ça. Ce sera ça de moins pour eux, pour le Drake. La team, bon, Jax qui met de la pression au top à la limite, c'est pas trop mal. Ça les oblige à def. On a Ashe qui est top. Si quelqu'un pouvait avoir éventuellement... Ah, il me fait peur le Z, il me fait tellement peur. En vrai, bah, il n'y a pas trop d'autres options que de le laisser die solo. Ou enfin, quand je dis die, je veux dire de le jouer laisser solo. Et de smite le Drake. Allez hop, bon je les stun, c'est pas trop mal, je vais push bot maintenant, on a le soul, c'est pas mal, moi je suis niveau 17, je suis un monstre, hein. Je suis presque niveau 18, je vais prendre mon level 18 là-dessus. Oh, c'est agréable en vrai l'item. Hein. Ouais, je mets 3, je vais mettre 4 levels au Graves, hein. Vraiment là je l'ai absolument détruit d'un point de vue macro, je l'ai anéanti. J'ai vu le gros sbire crever sous mes yeux, j'ai pas eu les golds, faudrait m'expliquer pourquoi. Mais unlucky.
J'ai envie d'y aller, mais on va éviter de faire le con. Je vais mettre de la pression au top. Il aurait fallu me laisser split solo à la limite, mais bon. C'est toujours compliqué. Allez, je lui mets 4 levels. Hein. Si vous voulez, jungle diff, hein, comme on dit. J'ai les 4 drakes, hein, j'ai fait une game hyper clean. Maintenant, il faut vraiment que je m'essouffle pas et que... Là, je prends plus d'XP, si vous voulez, donc je vais finir par stagner. Là, j'ai un énorme pic de puissance. J'ai un power spike de fou. Il faut que j'en profite pour finir la game. Et encore une fois, je rate le gros sbire. Il faut que je me réhabitue. Hein. Normalement, tous mes timings d'auto et de la stit, ils sont calés par rapport à mon ancien stuff et l'ancienne méta. Il crève, là. Je sais pas s'il crève. Attends, par contre, le Garen, il rigole zéro. Hein. Il prend pas de dégâts. Il se régale. Hein. Ok. De l'autre côté, ça récupère. On a fait un peu du volé avec leur team. C'était pas dégueu. Ah, je vais me faire éclater. Je me suis trop exposé, je pense. Ouais, l'ulti. Je l'ai mérité, celle-là. J'ai hésité à aller... Ok, bon, le Lucian est très bon. Il récupère tout le temps. La team suit. Ça fait plaisir d'avoir une team qui suit. Le Jax, il a un peu int au début, mais il a pas full tilt. Il a fait son petit split au calme. Il est resté calme. C'est assez rare, je vous avouerai. J'avais peur qu'il devienne l'électron libre de la game. Là, j'ai hésité à aller récupérer toute la bot side en face. J'aurais dû, c'était plus safe. Mais je me suis dit, allez. Après, peut-être qu'indirectement, là, j'ai mis de la pression qui a permis à la team... GG. Peut-être que j'ai mis la pression qui a permis à la team de finir. C'est tout à fait possible. Bon, bah écoutez, c'était sympa comme game. Hein. Elle était difficile à un moment, ça partait vraiment mal, mais... On a tenu. Alors, on va mettre l'honneur... Bon, en vrai, Z, hein, il mérite 100%, mais tout le monde la mérite. Même Jack, j'ai envie de lui mettre un sang-froid parce qu'il a pas tilt. Alors que j'avais cru que ça allait partir en hard tilt. Bon, je suis en 10-5, level 18, j'ai un bon farm, j'ai pris 4 Drake. En termes d'objectif, j'ai raté un Herald, lui je l'ai raté pour le coup. Et le Drake, c'est pas moi qui l'ai raté, c'est la team qui était pas en position. Donc bon, bah, écoutez, c'était quand même plutôt clean. J'aime beaucoup les nouveaux items, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel. Je vais check un peu les dégâts infligés. Ouais, normalement je tombe beaucoup plus que ça aux dégâts infligés. Hein. Le Garen se régale vraiment. Bon. Écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi je suis assez hypé par cette nouvelle saison. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de trucs intéressants. J'ai hâte de la jouer un peu plus et d'y prendre mes repères peu à peu. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.